C'est ça qui est intéressant dans ce qu'on restitue dans l'ouvrage, c'est pas de dire le livre on l'achète, on le garde, on le laisse dans une bibliothèque le livre, on va l'acheter, on va parfois l'acheter pour soi, le lire et puis le donner. Il y a plein de systèmes d'échange, plein de systèmes de troc aussi, c'est-à-dire qu'on va le garder 5-10 ans et puis au bout d'un moment on va se dire bah, est-ce que je peux le revendre, est-ce qu'il a une valeur ? Ou on va carrément l'acheter pour l'offrir. C'est-à-dire, c'est même pas pour moi, c'est j'offre le livre parce que je sais que ça va plaire à une personne. Ou, c'est ce qu'on a vu aussi, c'est je laisse le livre sur un banc et puis j'attends qu'il trouve son lecteur. C'est intéressant de dire, finalement, c'est le livre qui va trouver son lecteur et pas le lecteur qui va trouver le livre.